En 2004, la Société des Eaux de Marseille a voulu accompagner Denis Gargaud, un jeune sportif marseillais qui rêvait d'évoluer en équipe de France de canoë-kayak. Aujourd'hui, ce champion du monde a un nouvel objectif, les Jeux Olympiques, Rio 2016, et il souligne, 11 ans plus tard, l'importance de ce partenariat durable avec la SEM. C'est juste de ne pas avoir porté toute la pression et tout la grandeur qu'est un objectif olympique tout seul. Voilà. Je me sens accompagné, je me sens aidé, et ben ça me fait du bien. À 16 ans, j'ai eu ma première sélection junior en équipe de France. Et à l'issue de ça, on s'est posé la question avec ma maman de savoir si je pouvais trouver une entreprise qui pouvait me financer un bateau neuf pour pouvoir aller courir les championnats d'Europe junior. Quand on est jeune, c'est très important parce que, vous voyez, le canoë, c'est un sport qui coûte assez cher. Et on s'est tout de suite tourné vers la SEM parce qu'en fait, c'était notre premier choix et le choix logique. Parce que je pratique un sport d'eau et donc la Société des Eaux de Marseille aussi pratique un sport d'eau, on peut dire. Pour la SEM, les défis sont ceux de la préservation de cette ressource essentielle à la vie. Des valeurs que défendent les sportifs comme Denis Gargaud. Le cadre naturel est hyper important pour nous. On fait très attention à rien laisser derrière nous. Quand on boit de l'eau, je pense qu'on a conscience d'où ça vient parce qu'on y est tous les jours dessus. Et voilà, donc c'est aussi un autre lien avec la SEM et avec son président, qui est le président du Conseil national de l'eau et qui œuvre pour la qualité de l'eau partout dans le monde. Et c'est pourquoi, sans doute, l'aventure dure encore, éloignée des critères habituels de rentabilité du sponsoring. Très peu d'entreprises font ça, prennent des athlètes très jeunes et les accompagnent pendant leur carrière. C'est ce qu'a fait la SEM avec moi et ça n'a pas de prix. C'était vraiment du mécénat, c'était pour m'aider, un jeune Marseillais qui avait de l'ambition. Et puis au fil des années, vu que c'est resté, pour moi, ça apporte plus de sens qu'un simple partenariat financier. C'est juste, c'est une vraie histoire.